Bon, écoute, t'arrives beaucoup trop tôt. Hein. Je voulais pas que tu vois ma traîne, c'est une surprise. Oh, t'es où, là? Je suis là. Où ça? Là, là, là. Oh non, t'es chiant, hein. C'était pas du tout prévu. Oh mince, j'ai une tâche. Oh là là, bon bah ça va encore me coûter un pressing. Bon bah j'y vais. Oh c'est chiant, hein. C'est pas du tout prévu ça là. Attention. Oh. Attention, voilà. Attends, voilà. Voilà. Répondeur de ta mère. Tu sais, c'est qui nous avait prédit que notre couple ne durerait pas un an. 30 ans dans sa gueule, 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 30 ans dans sa gueule. Ok. Eh ben, c'est super. Ouais, salut. Ferme, ferme, ferme. Alors chaton, pour le festival là, j'ai eu Gilbert. Ouais. Il peut pas nous laisser son chant en juillet. Ah merde. Ouais. Alors du coup, il me propose une date plutôt plutôt antérieure. C'est-à-dire juin? Alors, plus antérieure, dans 2 semaines. Ah ouais, donc c'est mort quoi. Attends, t'as pas dit oui? Oui. Oh non, meurs de mort. C'est l'hiver, là. Dans festival, il y a estival. Alors, oui, mais point positif. Pas de boue, vu que la terre est gelée. Pas de frigo pour stocker la bouffe. Et surtout, pas de concurrence. Et peut-être même pas de festivalier. C'est le petit point négatif. Et en même temps, organiser un festival en 15 jours, ça va nous réchauffer. Hop, hop, hop. Dominique, c'est Raymond. J'ai bien reçu ta lettre, là, ça nous a fait marrer, Hugues et moi. Ah, parce que le coup de l'Ordre National du Mérite pour ma carrière, fallait quand même y penser. Comment c'est pas toi? Non, déconne pas, c'est pas toi? Tu me jures? Ah bon? Ben, salut. C'est pas lui. C'est pas lui? Alors attends, on a fait le tour, là, quand même. C'est pas Dominique, c'est pas Georges, c'est pas Francis, c'est pas Henriette, c'est pas Gaston. Je... Écoute Raymond, je pense qu'il faut que tu te fasses à l'idée. Je sais, c'est pas facile. Que peut-être, enfin je dis bien peut-être, éventuellement, tu l'es vraiment, cette médaille de l'Ordre National du Mérite. Respire Raymond, respire. C'est pas possible, bah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça doit être Maurice. Mais bien sûr, c'est Maurice tout craché. Oui, c'est Maurice. D'accord, on va l'appeler. C'est hein? Maurice. T'inquiète, on va appeler Maurice. Vas-y, c'est Maurice. Donne-moi son téléphone. Oui. Vas-y. Philippe, ça te dirait qu'on se fasse un petit week-end pour mon anniversaire? Mais bien sûr, ma chérie. Tu voudrais qu'on parte où? Il y a ma famille qui s'est installée à côté d'Arras. Ça te dirait? Arras, c'est-à-dire? Oui, 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 ils sont là-bas avec leur fête foraine. Mais leur fête foraine, c'est-à-dire... Oh, Philippe, oui. Mes parents, ils ont une fête foraine, tu te rappelles? Hein, avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, tu te rappelles de ça? Bien sûr, je m'en rappelle. Et bien là, ils sont installés à côté de l'île et ils m'ont proposé de privatiser la fête foraine pour faire mon anniv, pour faire une grosse teuf. Oui, mais ça a un à voir avec un week-end en amoureux. Ben non. Non, pourquoi qui a parlé de ça? Ah non, mais je sais pas, parce que au début, tu disais, j'aimerais bien faire un petit week-end, quoi, pour mon anniversaire. Alors, ça faisait romantique, quoi. Ah oui, ah non, pas du tout, non, c'est pas compris, désolé. Ah ouais, d'accord, parce que là, en fait, c'est pas la même chose. Donc, en fait, tu me proposes d'aller dans le nord de la France, hein, pour ton anniversaire, avec toute ta famille, dans une fête foraine. C'est ça. D'accord, eh ben, c'est très bien. Ouais? Ouais, c'est super. Oh, super, je vais les prévenir. Voilà, c'est top. Top! Check! Tatoum? Ça y est, je crois que j'ai trouvé le nom pour notre festival. Rhythm and Booze. Ouais, parce que il y a du rythme. Et des chansons à toi. Quoi?
Bah oui, bouse. Eh ben. Bouse. Parce que ça se passe à la campagne. Tu vois? Comme si on voulait faire pousser de la musique. Tu vois? Mais oui. Du culturel sur notre terre, quoi. Oui, voilà. Voilà. J'adore ce nom. T'as vu tout ce qu'on peut mettre derrière? Ah ben oui. C'est ouf. Ah, tu m'étonnes. Rhythm and Blues. Mais... Eh hey, Poussin. Ouais. À la sortie de l'église, tu trouves pas que c'est ringard de balancer du riz? Ah si. Ah, on est d'accord? Ah, vraiment? Ah oui, oui. Ah bon, on le fait pas du coup? Ah non, franchement, non. Et, pardon, mais c'est comme les dragées, c'est. Oh là là, mais c'est clair. Mais oui. Oh, qu'est-ce que c'est ringard, les dragées? Oh non, pas les dragées. Et pareil pour les jeux pendant le repas, hein. Somme même du ringard? Oh. Ah non. Attends. Mais attends. C'est pas le concept du mariage qui est ringard? Non, sinon on se marierait pas. Bah non, si on se marie, c'est que c'est top. Ouais, ouais, ouais. C'est top. C'est top. Non, c'est sûr. Oui. Dis-moi, Malélie, je vais faire une liste là, pour notre fête des 30 ans de mariage. Ah, bah alors, il faut du blanc, du rouge, du rosé et puis du champagne aussi, hein. Sinon, j'ajoute aussi des noms de gens qu'on connaît pour accompagner tout ça, ou... Ah oui, bah... Oui, bah oui. Faut des invités aussi, évidemment. Ouais. Tu me rassures. Ouais. Non, je suis toute seule. Ah bah, Fabien, il est sur la scène, au festival. Il fait les réglages son. Ouais, ok. Salut, bye. 1, 2, 1, 2. Et c'est son. 1, 2, 1, 2. Oh yeah. C'est bon son. 1, 2, 1, 2. Hé les gars, j'ai vite qui là. Parce qu'ici, c'est pas bien, ça tue aussi des lapins. La chasse, c'est mal, ça tue aussi des animaux. La guerre, c'est vilain. C'est moi. Oui, c'est moi. Allô, chouchou. Oui. Ça va? T'es bien amusé? Parce que je vais te défoncer, là. J'arrive. 1, 2, 1, 2. Bon, ben, le son, ça marche bien, les gars. Ding, 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 ding. Quoi? Dans un quart d'heure, c'est ton anniversaire. Ah ouais. Alors, tu vois, j'hésite un peu. Soit je me tape pour la dernière fois de ma vie une fille dans la vingtaine... Un peu folle. Ah oui, un peu fougueuse. Et soit j'attends un peu, et là je me tape une trentenaire, bon, un peu expérimentée, qui a déroulé du câble, un peu tapée. Ouais, bah si tu continues, tu vas attendre la quadra. D'accord. Bon, bah. On va rester sur la première idée, hein? Mollo, Raymond, c'est ton deuxième bol. Je suis angoissé. Ah, je suis pas bien. Hein. Ah, mais c'est normal. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une distinction. Enfin, la France entière va te regarder. Tu te rends compte? Mais c'est pas ça, Huette. C'est pas ça. C'est pas direct pour Paris. On a une correspondance. On a 10 minutes pour changer de train. Ah, mince, j'avais pas pensé. J'ai vérifié les billets. En plus, on est en salle haute. Et si on est en queue de tram, alors là, c'est le pompon, ma poule. C'est le pompon. Oui, pour peu que l'escalator soit en panne. Ah ben moi, je mets mes baskets, ah voilà. Non, pas avec ton costume. Je m'en fous, tant pis. Bon, ben, et moi, de mon côté, je vais alléger les valises. Ah oui. Hein, que je, enlever des tas de trucs, et puis ouais. Voilà. Oh. Oh, ben, je suis angoissée aussi, moi, ça y est. Il y avait de quoi, non? Super, merci les gars. Allez, venez là, venez. Bon, les gars, dernière ligne droite. Donc, toi et toi, vous allez finir d'approvisionner les deux buvettes. Fred, tu vas avec les mecs du son si tout est ok. Ça marche. Jérém, tu vas avoir le problème des badges avec la sécu.
Emma, on va aller faire l'amour dans le bureau. Simon, tu gères l'entrée des derniers fournisseurs avant midi, ok? Et toi, Clément, tu vas avec Manu pour finir d'installer les barrières. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques? Ouais, moi, ouais. Ouais, t'inquiète, on va en parler au bureau. Allez, les autres au boulot. Hein? Et je compte sur vous, hein? On y est presque, là. Je te signale que c'est mes 30 ans de mariage aussi. Alors j'ai peut-être mon mot à dire sur ce qu'on doit mettre sur le gâteau. Eh ben très bien, trouvons une idée ensemble. Et si on n'est pas d'accord? On fait comme d'habitude, on trouve un compromis. Oui, on fait comme tu dis quoi. D'ailleurs, on fait toujours comme tu dis. Tu sais quoi? C'est ce qu'on va mettre sur le gâteau. 30 ans de on fait comme tu dis. Oh là là, mais très bien, mais tu sais quoi? On fera comme tu dis, toi. Voilà, c'est ton idée, vas-y. Quoi que je dise. Ah oui, ah oui, je serais d'accord, oui. Vas-y. Bah oui, c'est bien, ça c'est une très bonne idée. Et alors, donc, on met combien de 1, 5, 10 Mets ce que tu veux. Merci. Bon, je vais... Ah, quelle fille! Vous êtes prêtes pour l'entraînement? Oui! Alors attention, parce que celle qui l'attrapera, elle aura toutes les chances de se marier dans l'année! Attention! 1, 2, 3! Oh merde! Lisa! Elle l'a eu! Viens, va la voir! Oh, elle l'a eu! Bravo la vivacité, dis-moi! On arrive, Lisa! Je vous montre ça dans vos chambres, hein? Ouais, merci, cousin Fredo. Oui, de rien. Merci. Oh, bah voilà, c'est ma maison. Coucou! Oh, ma moumoune! Oh là là! Bonjour! Bonjour, Nicole! Oui, bonjour, bah oui, bonjour, Nicole! Ah, bah je vois que t'es plus avec le vieux moche, ça me fait plaisir! Hein. Comment ça, maman? Bah, tu sais, le gros dégueulasse que tu m'avais présenté avec les frisottis, là. Enfin, si, c'est Philippe, moi, j'ai pas changé, en fait. Ah non, Philippe, il avait pas cette prestance, ce magnétisme, ce charme. Si, je te dis que c'est lui. Ah bon? Voilà. Vous avez changé quelque chose, c'est pas possible. Non, je vous assure, c'est moi, là. Non, c'est moi. J'ai peut-être pris peut-être 1 ou 2 kilos. Non, parce que c'est drôle, parce que l'autre, il me dégoûtait, celui-là. J'en ferais bien mon 4. Alors, vous avez pris 1 ou 2 kilos, bah, écoutez, ça vous va très bien. Voilà. Allez, entrez. Voilà, ouais, d'accord. Entrez. Maman, arrête. C'était fou. Merci. Vous pouvez nous laisser, on va délibérer. Ah bah c'est même pas la peine, hein. Pour moi c'est un grand oui. Merci, c'est gentil, merci. Il y a quand même, c'était bien, il y a quand même un truc qui me gêne. Quoi? Si on la prend, t'es d'accord que je vais passer pour une nulle à côté? Non, il faut avoir un petit peu confiance en vous, hein. Moi je suis sûre que vous chantez très bien. Allez, chantez-nous quelque chose. Ah. Si vous voulez. Pollution visuelle, pollution éternelle. Donc, c'est un petit peu moins bien que ce que vous faites, non? Non, on sent que ça vient de loin, on sent que c'est rhythm and blues, on sent que c'est bien dans les bottes, hein. Donc vous comprenez bien qu'on peut pas chanter dans le même festival? Je viens de le comprendre. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et très très bon festival. Merci. Du coup, le système de sélection, là, c'est quelqu'un qui chante moins bien que toi, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça limite un peu, quand même. En qualité, tu veux dire? Et en quantité? Bah, va falloir ratisser plus large. On va trouver, mon chat, on va trouver. Bon, bah, suivant, hein? Ouais. Voilà, mes enfants, vous venez d'écouter la parole de Dieu et vous allez maintenant vous engager l'un avec l'autre.
Alors, est-ce libre et sans contrainte? Oui. Oui. Et vous allez donc par là aussi vous promettre fidélité pour toute la vie? J'ai bien dit fidélité, Marion. Hein? Non, parce que c'est important, la fidélité. Hein? C'est important, c'est ce qui soude un couple. C'est ce qui fait qu'on a confiance en l'autre. Hein? Parce qu'il faut savoir quand même que ça peut détruire une vie d'apprendre que celle qu'on aime est allée voir ailleurs. Plusieurs fois, en plus. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On peut foutre sa vie en l'air et rentrer dans les ordres. Parce qu'on a été blessé au plus profond de son être. Par une femme beaucoup trop volage. Non, mais il faut le savoir quand même avant de s'engager à faire n'importe quoi pour toute la vie. Hein? Bon, enchaîne, Sylvain. Non, mais attends, tu le connais? Oui, vaguement. Excusez-moi. Bon, ben venez, vous, là. Non, mais non, c'est pas possible. Oh, ça va, j'étais jeune. Bon, ben voilà, au moins, c'est sûr que... on en était à la fidélité. Ah, oui. Donc, vous allez vous promettre fidélité? Est-ce pour toute votre vie? Oui. Je te dis que oui, tu vas pas t'y mettre non plus. Allez, réponds. Oui. Non, moi, je trouve qu'une péniche, c'est pas... Non, non, José. D'abord, c'est un galion. Hein? Ouais. Et puis, au contraire, symboliquement, il y a 30 ans, on s'est embarqué sur le bateau de l'amour. Depuis, on maintient le cap, on garde la tête hors de l'eau. Et contrairement à beaucoup de couples, on n'a pas fait naufrage. Pourquoi on fait pas ça sur un circuit de karting? Oui, pourquoi pas? Et symboliquement, ce serait quoi, donc? Eh ben, si tu veux, bah, symboliquement... Mm. Bon, bah, si tu veux, symboliquement, on démarre sur le circuit de l'amour. Là, et c'est parti. Et pendant 30 ans... Oui, bah, va pour la péniche, va. Mm. Bah, le galion. Oh, mais dis donc, bah, t'as jamais été aussi rapide pour acheter ton journal. C'est grâce au vendeur. Comment ça? Il a pas pris le temps de m'adresser la parole. Mon journal, il me l'a quasiment jeté à la gueule. Et ça te fait plaisir? Oui, et comment ça me fait plaisir? Pas un bonjour, pas un merci, pas une bonne journée, non. Je vais te dire, ici, les gens qui font la gueule, ils sont pas stigmatisés. Ici, la gueule, c'est la norme. Ici, c'est Paris. Ici, on est chez nous, à poule. Oh, vraiment. T'as vu ça? Quand tu bouscules quelqu'un, t'as pas besoin de dire pardon. Non, je crois qu'on a trouvé l'endroit idéal pour nous. Hein. Ah, on va être bien ici, ma poule. Hein. On va être bien. Allez, hop, hop, hop. Petite pute. Alors, t'es toujours dans tes petits plans minables, hein? Et toi, toujours à taper tout ce qui bouge, hein? Alors, non, mais t'inquiète pas, mon doudou, c'est affectueux, hein? Hein, on est comme ça entre nous. On fait ça depuis qu'on est petit. D'accord, bah, je suis ravi de faire votre connaissance. Non, mais Philippe, fais un effort, s'il te plaît. Ça, c'est... Oui, oui, alors, bah, je suis ravi de faire ta connaissance, petit... petit con. Je sais pas si je vais tenir longtemps. Oh, mais si, tu verras. Alors, en fait, tu... J'ai eu le groupe des postes carbone, ils ont du retard. Ah merde. Alors je me suis permis, hein. J'ai mis les décontaminés en première partie des 100% recyclables. Fabien, tu peux pas faire ça? Hein? Et les décontaminés peuvent pas faire la première partie des 100% recyclables. Le bassiste des 100% recyclables, c'est l'ex de la chanteuse des décontaminés. Elle sort maintenant avec le batteur des Pile-Poil Planète. S'il se voit, il va y avoir une ambiance pourrie. Et si je mets les postes carbone, demain à 13h? Demain à 13h30, il y a les effets de serre. Le leader des postes carbone a traité le batteur des effets de serre de faux végétarien. S'il se voit, mais tu veux que tout pète ou quoi? Mais non. Alors, laisse-moi gérer l'artistique, c'est un métier. Vas-y, là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous préviens, on va pas se laisser faire. Mais j'ai juste dit bienvenue.
Juste bienvenue. Le sournois. Alors, mais je vous vois venir avec vos grands sabots. On est peut-être des provinciaux, monsieur. Mais il n'y a pas marqué pigeon ici. Alors votre tarif, faites très attention, parce qu'on n'est pas tombé de la dernière pluie. On veut aller du point A au point B, par le chemin le plus court. Ouais. Mais en fait, vous voulez aller où? Tu l'entends? En fait, vous voulez aller où? Il essaie de nous appointer, là, avec son petit ton condescendant. Vous voulez aller où? Allez, allez, Raymond, on se casse. Oh. Ouais. Hey. Hey. C'était quand même pittoresque. Ouais, mais bon. Escroc. Ouais. Marion, Cédric, nous sommes réunis dans la maison de Dieu. Et en ce jour... Pardon, excusez-moi. Je... Et en ce jour... Pardon, excusez-moi, vous ne voulez pas intervertir. Oui, parce que c'est bizarre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est bon. Et en ce jour... Je suis désolée, mais... En fait, je préfère l'autre, je crois. Lui, là-bas, derrière le... oui. La table. On peut, voilà. Si on peut changer. Fais voir. Ah ouais, ça a plus de gueule, là. Non? Oui. Non, ouais. Non, 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 c'est bon, toi, ça va. Non, c'est bon, allez, go. Marion, Cédric, nous sommes réunis dans la maison de Dieu... Et en ce jour de joie et d'allégresse... Alors, pas ici, ce sont les toilettes. Oh. Là-bas, au fond, c'est la cuisine avec tout ce qu'il faut pour votre traiteur, hein, mais... Oh. Excusez-moi, ça va pas, votre mari? Oh, bah si, Josée, ça va pas? Non, non, ça va pas du tout, je suis déçu, voilà. Ah bon? Mais t'aimes pas la salle? Si, si, la salle, ça va très bien, mais je suis déçu par elle. Par moi? Ouais. Je suis désolé, moi, quand elle m'a dit « visite d'une péniche ». Non, un galion. Oui, on s'en fout. Moi, je pensais voir un capitaine, pas ça. Enfin, José, écoute, il ne le pense pas, hein. Alors, regarde-là. Même pas une petite moustache, une petite casquette, une petite marinière, quoi. Même pas une petite pipe sur le côté. Bon, je dis pas que vous êtes nuls, hein, y a pas de souci. Pour visiter un appartement ou une maison, moi, je dis pas, mais enfin, une péniche. Hein? Je sais pas quoi vous dire, là, je continue la visite bah, ou... Oui, oui, je pense que oui. Bon, alors, là, à droite, vous avez le bar et ah bah, terrasse. À droite, carrément, alors allons-y, même pas à bâbord, même pas à tribord. À ce compte-là, autant visiter une salle des fêtes, hein. Ah, je suis déçu, 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 déçu. 1, 2, 3, 1, 2, oh, à 1 et 2, yeah. 4, 5, 6, I, ou A, E, O. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des tests micro, là, ou c'est une de ses chansons, ça? 6, 8, 10, 100, E, A, E, O, 400, 14, ou A, E, O. En tout cas, si c'est une de ses chansons, c'est pas la pire. Hein. Super, c'était super. Grand gilet. Oh, oh la surprise. Bah, ça fait combien de temps? Montauban, hein. Oui. 45 ans au moins. Hein. Oh, là, là. Oh, ça me fait plaisir que tu sois venu à ma remise de médaille. Mais comment tu l'as su? Non. Moi aussi, je vais décorer. Quoi? Bah oui, je vais décorer. Décidément, on la donne à n'importe qui. Ah oui? Et qu'est-ce que t'as fait, toi, pour la mériter? Moi? Toute une vie héroïque au service de la France. J'ai été blessé 3 fois, moi, monsieur. Oui, une balle au cul par erreur, hein, le doigt entaillé par un tire-bouchon et mordu par le chien du capitaine. Tu parles d'un héros. Bah, moi, en 68. Oui. Moi, j'étais salement touché. Ah oui? Ah ouais, un coup de poing dans la gueule, un coquard, mais comme ça, le coquard. Moi, 87. Ouais. C'était la grève des sidérurgistes. Je me souviendrai comme si c'était hier. Il y a un boulon. Il devait passer à ça du casque. Ouais. Bah, moi, en 80. J'ai résolu l'affaire du tueur de chats. Oh, fusons la requête, monsieur. En 80... Oh, ce crétin de Grangier. Tu vas être décoré, toi aussi?
Mais décidément, les cons sont à l'honneur aujourd'hui. T'es toujours avec elle ? Alors là, tu l'as bien mérité ta médaille. Le corps du cri. Oh, pardon. Oh, non, je suis désolée. Oh non, c'est le taf. Oh, pardon. Allô ? Oui, monsieur Juillard. Non, allez-y, allez-y. Non, vous ne me dérangez pas, rien d'important. D'accord ? Ah, super, vous avez vu le devis ? Alors ? Ah, bah, génial ! Lundi, 9h ? Ok. Attendez, attendez, deux petites secondes, je note. Lundi, 9h. Ok, c'est noté. Oh, je suis contente, moi aussi. Oh, je suis ravie. Au revoir, monsieur Juillard. Au revoir, monsieur Juillard. Au revoir. Mmh, je suis désolée, c'est pour le taf. Pardon. Alors, on en était où, le corps de Christ que... Le corps du Christ. Le corps du Christ. Tu parles, les pères, ils aiment pas les mecs de leur fille, quoi. Ils pensent qu'on est pas assez bien pour elles, qu'on leur vole leur princesse. Camille, ma princesse. Je prends Philippe, mon compagnon. Enfin. Oui. Voilà le fameux Philippe. Oui. Ravi de faire votre connaissance. Depuis le temps que ma fille me parle de vous. Mais c'est qu'il est beau, le bougre. Bien choisi, ma fille. Hein? Je suis sûr qu'on va bien s'entendre tous les deux. Ouais. C'est marrant, je t'aime déjà. Non. Hein, on tutoie. Oui, non. Oui. Hein, ah, copain, copain. Tu fais du jazz, c'est pareil. Ouais. J'y connais rien, mais j'ai vraiment envie d'apprendre. Je veux tout savoir. Hein, oui, d'accord. D'accord, d'accord. Bah, c'est bien, on va passer du temps ensemble. Ouais. Hein. Alors ici, tu es comme chez toi. Tu viens quand tu veux. Quand je veux, d'accord. Mieux. Je vais aller chez vous. T'as un canapé ? Oui, hein ? Oui, j'ai. Et on va faire des tas de trucs tous les deux. D'accord. Des trucs beau-père, genre. Tu vois ? Hein ? On va aller à la pêche avec ton bateau. Oh, oui. Comme ça, tu m'apprendras. D'accord. Hein ? Ouais, ouais. Je t'apprendrai des trucs de forain. Tu sais cracher le feu ? Elle est grande, ta terrasse ? Elle est... Je suis content, tu sais. Moi aussi. Ah, je suis content. Oh, je suis content. Oui. Tiens, prends mon sandwich, je vais aller manger chez un autre. D'accord. Alors, il me fait encore plus flipper, quoi. Je suis content. Et maintenant, c'est un ancien gendarme que je vais avoir l'honneur de décorer. Derrière le soldat se cache un grand homme. Un héros du quotidien dont la générosité et le sens du sacrifice ont toujours été les valeurs cardinales. Après une carrière exemplaire au service de la nation, il décide de consacrer sa retraite aux autres. Et refusant l'oisiveté et le repos tant mérités, il s'engage dans l'humanitaire. Il s'envole pour Calcutta, porter secours aux lépreux. Mais ça, c'est pas moi, ça. Ah, oui, je me suis trompé de fiche. Moi, déjà, un grand homme, j'ai eu un doute. Ça y est, j'ai la bonne. Je vais donc décorer un ancien gendarme. Un ancien gendarme qui... Je vais donc décorer un ancien gendarme. On est le mariage d'après, ça serait possible d'accélérer un petit peu ? Sûr, c'est bon, on est dans l'ambiance là, cool !
Mais tu vas où? Bon, bah, je vous laisse réfléchir avec votre gentil mari, hein. Mais qu'est-ce qui m'a pris, nom de Dieu? J'ai complètement foiré mon discours. On se fait des bisous. Allez, bisous. Merci, mon doudou. Viens voir. Mais c'est quoi, tout ça? C'est champagne. Eh bien, maintenant, allons nous restaurer. Oui, mais moi, c'est mon mariage. Alors, t'arrêtes de te la péter plus que moi, d'accord? Très bien. On fait comme ça. Bisous. Puis par ici, vous pouvez installer le buffet, c'est ce qu'on conseille généralement. Il y a cette place comme ça, ça gêne pas pour le passage. Ouais, très bien. Bon, bah, je vous laisse réfléchir avec votre gentil mari, hein. Tiens, au fait, il y a les deux Laporte qui ont confirmé. Ah, formidable. On en est à 3 tonnes 8 d'invités. Pardon? Ah bah, ça commence à faire une bonne cargaison, hein. Enfin, José, tu peux pas comparer nos invités à des caisses de Doppler. Écoute, on a loué une péniche, moi j'ai rejoint en pénichier. Une masse est une masse. Ah bah tiens. C'est des grenaques, c'est des gros. Avec eux, on est peut-être arrivé à 4 tonnes. Tu m'agaces. Ouais, Marc. Ah, tu viens. Bon, bah très bien. Avec Chantal. Parfait. Ah, bah très bien. Allez, je note ça sur la balance. Le registre, je note. Voilà. Allez, bisous. 4 tonnes. Mon pote. T'es qui toi? Moi? Je suis le directeur technique et logistique chargé de la coordination et de la supervision des activités. C'est mon mec. Ah ok Emma. Désolé hein, je savais pas. Hein. T'inquiète. Bon allez on s'active là. Au début, on avait le petit carrousel. Ouais. Puis les grands manèges, bah, c'est venu après. D'abord un, puis 10, puis après, bah, ça roule, quoi. Bah oui, donc tout ce parc d'attractions, c'est à vous, quoi. Ouais, tout. De là, ouais. Jusque là. Ouais. Ah, c'est parti, je prends papa. Hein. Ah oui, bravo, non mais vraiment. Hein. Ouais, c'est des affaires faciles. Non, bah, ça tourne tout seul, ça. Dans nos métiers. Il n'y a pas besoin de faire d'études. Il hein, faut savoir compter. Voilà. Hein, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Hein, entre commerçants, on se comprend. Hein, t'es pharmacien, non? Je suis docteur en pharmacie, oui. Et alors? Ça se passe comment? Non, parce qu'un commerce dans une grande ville, c'est pas fastoche. Hein, il y a de la concurrence. Oh, la concurrence, mais ça va, ça va. On va pas se plaindre, quoi. Je travaille beaucoup, mais alors, au final, ça paye. Ça paye. Ouais. Ouais. Combien? Non, ça me gêne, c'est une grosse somme d'argent, j'ai pas... Ouais. Combien? Non. Vas-y. Vas-y. Aïe. Ah ouais? C'est pas simple. Non, mais si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. Parce que dans la famille, on s'est toujours aidé financièrement. Courage, fils. Il est gentil, ton papa. Et... Ça, c'est les forains, c'est le cœur sur la main. Marion, voulez-vous prendre Cédric comme époux et vous engager à ses côtés, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Cédric, voulez-vous prendre Marion comme épouse et vous engager à ses côtés, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Pardon, excusez-moi, on peut le refaire, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il était bof, mon oui, non. Sincèrement? Ouais. Ouais, c'était pas top. Non, mais c'est vrai, c'était pas un oui cool, quoi. C'est bon, là, on est mariés ou... Techniquement, non, il me reste encore une phrase à prononcer, mais enfin... Ah bah super, on l'en fait. Ouais. Bah, vous avez qu'à reprendre la phrase de Cédric. Oh, oui, Attends, parce que... Oui, attends. Oui, oui. 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 C'est bon, on a compris. Oui, oui, oui. Cédric, voulez-vous prendre Marion comme épouse et vous engager à ses côtés dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Marion, Cédric, je vous déclare donc mari et femme. Attention, le baiser, tu le rates pas. Hein. C'est pas mon genre.
maintenant, allons nous restaurer. Oh, bravo, Raymond, bravo. Oh, si, oh, oh, c'était beau à voir. T'étais ému. Oui. Oh, je joue pas l'insensible, j'ai bien vu. Quand il t'a remis ta médaille, t'as versé ta petite larme. Oh, c'est parce que l'autre, là, il m'a épinglé le téton. Ah bon? Oh, oui. Oh. Remarque, j'aurais peut-être pleuré sans ça aussi. Hein. Mais c'est con, hein. Pas savoir si j'ai réagi à la douleur ou à l'émotion. Ah, en tout cas, ça rendait bien. Hein? Ah, si. Hein? Ah, ça rendait bien. Parce que je te l'avais dit, c'est des brancos. Donc je te l'avais dit, je te l'avais pas dit. J'arrive, t'inquiète. Emma, ça va pas du tout. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le festival ouvre dans une heure, qu'il n'y a pas de jus pour la scène, qu'il manque 6 groupes, et d'après la météo, il va pleuvoir jusqu'à dimanche. C'est la merde! Bah ouais, c'est un festival. C'est un Roddy qui vient de se prendre un projo. Première blessure, c'est bon, on est dans l'ambiance là, cool! Et tu vas où? Je vais réparer les toilettes sèches, paraît qu'on peut pas les ouvrir. Fabien, on n'a pas reçu les micros pour la scène. La caisse est bien arrivée, mais elle était vide. Eh ben, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Liliane ! Oui ? Viens voir ! Mais c'est quoi tout ça ? Bah c'est le champagne. Le champagne, mais t'as commandé combien de bouteilles? Bah 3 par personne, pourquoi? 3 bouteilles par personne? Mais ça va pas, là. Oh, c'est pas assez. J'en étais sûre dans mon quartier, moi, ça. Il faut que j'appelle le traiteur avant qu'il ferme. Mais on n'a même pas assez de place pour danser. Mais si, ça. Dès qu'on aura bu un peu, tu penses bien que ça va dégager. Oui, allô, oui, c'est Liliane. Oui, eh ben écoutez, on n'aura pas assez avec votre civile, non, là. Non, mais je vous assure, c'est José qui le dit. Pardon, monsieur. Oui. Mais non, mais c'est forcément le méga monster, t'as vu comment ça se coupe? Mais non, ma couille, c'est le roll'n'roll. Le méga monster, ça se coupe que dalle. Non, mais tu déconnes là. Le méga monster, y'a pas pire. Ça se coupe pas, mais y'a le mouvement. Ouais, mais ça dépend de comment t'as digéré avant, ça fait la grosse différence, mon gars. Bon, attends, attends, on va demander. Mon doudou, dis-moi, pour régler un léger conflit d'ordre familial, c'est le méga monster ou c'est le roll'n'roll qui t'a rendu malade? Bah, je crois que c'est un mix, en fait. C'est un mélange des deux. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de ça maintenant? Voilà. Donc c'est un petit peu des deux, alors hop, fin de la dispute, on se fait des bisous. Allez, bisous. Merci, mon doudou. Eh, hey, les gars, gaufre. Oh, gaufre. Oh, les gosses, là-bas. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, madame. Je suis maquillée, donc ça me dérange. Ah, oui, oui. Oh là là. C'est belle. Oh, merci. Excusez-nous. On est le mariage d'après, ça serait possible d'accélérer un petit peu? Non mais oh ça va, ouais, les gens ont quand même le droit de nous féliciter. Ça fait une heure qu'ils vous félicitent, alors pour ceux qui sont derrière, c'est un petit peu longué. Oui bah désolé d'avoir 350 invités. Ouais, 350 invités, je pense qu'il y en a une bonne moitié qui n'ont rien à foutre. Nous on a un vin d'honneur à 11h45 et à cause de vous on est en retard. Alors on sort sur le perron, on balance du riz et après c'est nous. Bah non, c'est pas possible, parce que nous entre les félicitations et le riz, on a les balais russes qui nous font casse-noisette sur le perron. Mais vous êtes combien? Bah une bonne centaine. Ah oui d'accord, le mariage intime quoi. Eh ben, vous avez qu'à passer par la sacristie, hein, pendant qu'on fait les balais russes sur le perron. La sacristie, vous voulez pas non plus qu'on passe par les cuisines? Ah, attends, c'est une bonne idée, ça. Ouais, comme ça, tu pourras nous faire les desserts avec ta tête de pâtissière. Dis donc, elle va se calmer, la petite pute. Alors là, t'as tout gagné, j'appelle mon mec. Cédric! Jean-Luc! Cédric! Jean-Luc! Qu'est-ce qui se passe, poussin? Elle trouve qu'on se marie pas assez vite, alors tu me la dégages, illico. Mademoiselle, je vais vous demander de quitter l'église. Hein. Ah, Minou. Y a un problème? Écoutez, monsieur Milou, voilà, on va pas s'énerver pour rien. Hein. Voilà, un mariage, c'est beaucoup de pression, je sais ce que c'est. Mais tu quittes ou quoi? Oui. Oh, tiens-moi ça. Allez, viens, Jean-Luc, je vais régler ton compte sur le perron. Je vais te défoncer. Vas-y, Milou. Vas-y. Félicitations. Écoute le bordel! Oh, c'est bien. Oh. Attends. Oh, oh, Raymond, sors de là. Non. Allez, quoi, c'est pas un drame. Je veux pas. Écoutons, on va dire que c'était sous le coup de l'émotion. Mais qu'est-ce qui m'a pris, nom de Dieu? J'ai complètement foiré mon discours. Bon, ça va, Raymond, c'est pas grave.
T'as remercié ta femme devant tout le monde. Oui. Bon, bah écoute, t'as dit que sans moi, tu n'aurais jamais rien pu faire. Bon, on va pas en faire un fromage. Je te jure, Gaguette, je le pensais pas. Mmh. Mais je le sais, je le sais. Allez, avance, chevalier. Venez, allez, allez, on va permuter là. Et pourquoi? Non mais désolé, mais il y a eu une petite confusion des affectations des postes. Je sais pas faire les crêpes moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, bah je préfère manger des crêpes dégueulasses par toute sécurité, tu vois. Allez-y, échangez là. Allez là, oh, c'est pas une garden party, allez. Voilà, super, c'est bien ça. Génial les gars, allez, hein. Je t'aime, ma chérie. Eh, hey, Philippe. Oui. Tu veux bien signer ma carte pour l'anniversaire de Camille? Bien sûr, bien sûr. Attends, c'est pas le crayon. Alors, mais dis donc, il y a... excuse-moi, mais... joyeux anniversaire, Camille. Il faut que tu mettes deux L, sinon ça fait joyeux anniversaire, Camille. Tu vois, Benoît? Ah, oui. Ah mince, c'est pas... je vais le faire. Je... Ouais. Hey, ça va, tu m'as vu? Oh oui. Dis donc, il est bizarre ton cousin quand même de pas savoir lire et écrire à son âge. Ah non, mais il a su. Hein. Ah, même quand il était petit, il lisait mais hyper bien. Mais bon, ça c'est à cause de la roue folle. En fait, la roue folle, c'est un manège qu'a bricolé mon père avec ses frangins, tu vois. Ça devait être l'attraction phare du parc. Et oui, alors? Et alors, en fait, le truc qui était trop violent pour le cerveau, tu vois, ça tournait trop vite. Et... c'est comme ça qu'il a tout perdu, quoi. Non, mais je le crois pas. Ah non, mais attends, il s'en va la mort, faut pas croire, hein. Mais ça va mieux, moi, je suis sûr qu'il récupère petit à petit. Bon, on se fait le labyrinthe des clowns. Allez, hop. Oui, 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 oui. Ah oui, voilà, c'est bien. Ils sont beaux, tes deux L. Hein? C'est pas évident, les grandes boucles, là. Chère madame. Oui. Est-ce que vous pourriez lui dire repos? Sinon, il... Oh pardon, je l'avais totalement oublié. Repos, soldat, repos. Oh merci, mon général. Ah, pardon. Oui, ministre. Merci, ma poule. Oh, oh, des typhons. Oh, des typhons. Jean-Pierre, c'est n'importe quoi cette histoire de break. Vous pouvez pas vous séparer, Adèle et Jean-Pierre. Enfin, écoute. Et en plus, pile au moment où on fête notre 30 ans de mariage. C'est n'importe quoi. Oui, bah c'est comme ça. Hein? Vous aussi, vous avez fait un break. Et puis, franchement, donne-moi une seule bonne raison pour qu'on se remette ensemble. Excuse-moi de te le dire, Jean-Pierre, mais enfin... la première bonne raison, c'est que tu trouveras jamais mieux. Ouais. C'est vrai, c'est une femme pleine de qualité. Oui, oui, il y a ça aussi, oui. Allez, allez parler. Allez, allez, hein. Hein. Alors, mon gendre, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Oh, bah, j'étais en train d'admirer votre carrousel, quoi. C'est magnifique, on en fait plus comme ça. Il te plaît? Ah oui. Hein, tu le veux? Eh ben, tu l'as, il est à toi. Voilà. Non, je peux pas. Non, je peux pas accepter ça, moi. Mais si, ça me fait plaisir. Non, mais je comprends pas. En fait, vous me faites marcher, c'est ça? Parce que comment voulez-vous que je ramène ça, moi? Bon, c'est pas un problème. Hein? Moi, je vais t'offrir un de mes camions. Ça, tu pourras l'emmener sans souci. Lequel tu préfères? Le rouge, là? Ou le bleu? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites?
Ouais, j'ai compris, tu veux les deux. Non, allez, bah non. Va pour les deux. Benoît, Luc, Eric, vous me démontez le carrousel et vous me chargez dans les deux camions là. C'est pour Philippe. Ma couille. Qu'est-ce qui se passe là? Aide-moi, je t'en prie, ton père il est en train de devenir complètement fou. Il est en train de m'offrir tout son parc d'attractions. Où je vais stocker ça, moi? Tu veux un terrain? Tais-toi, arrête de parler, s'il te plaît. Ça sera encore pire si tu refuses. Souris. T'en es où, toi, là? Bah, je taille. Il y a une belle boule, hein. Boule, hein. Oh, super. Alors. Ça, c'est bon. Poussin! Quoi? C'est une catastrophe, il faut annuler! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Les dragées, il y a un sachet au bout dans mon cul. Oh non, c'est pas possible. Mais elle est où? Je sais pas, j'ai cherché partout, dans les cuisines, dans les chambres, dans les chiottes. Je sais pas. Attends, Poussin. On sent un peu trop la pression, là, non? Ouais, t'as raison. Ah oui. C'est pas parce qu'il manque une dragée dans un... Oh putain! Mais elle est où? Je sais pas, elle est où? Bravo mon Raymond. Et voilà, je l'ai ma médaille. Un vrai attrape-couillon en fait. Ah bah oui, quand tu penses qu'il y en a qui risquent leur vie pour ce petit bout de métal. Oh, c'est une vraie ordingue quand même, hein. Bah oui, on t'épingle un truc sur la poitrine et tu te sens important. Non, tu n'es pas important, mais ce qu'ils veulent, c'est flatter ton orgueil et ta fierté, voilà ce qu'ils veulent. Et ça marche. Oh, à un point, ma poule, tu peux pas imaginer. Pardon, t'en prie. Vaquer. Oh, mon colonel. Merci, mon gars. Franchement, bon boulot. T'es génial. T'es un mec en or, toi. Allez, va, file. Tu l'as bien mérité, ta pause. Merci. Très bien, faut que t'arrêtes de faire ça. Quoi? Faire des câlins aux bénévoles, faut que t'arrêtes. Mais attends, les mecs, ils sont pas payés, je te rappelle. Je suis leur boss, faut bien que je les remercie pour leur taf. Mais justement, il n'y a pas besoin, c'est des bénévoles. Ils attendent rien en retour, je te jure, c'est chelou. Ah bon? Oui. Ok. Ok, Fabien, bah c'est bon, j'ai nettoyé toutes les cabines. Ok, bah, cool. Merci, mon gars, bon boulot. Attends! Allez, viens. Allez! Attention, mon gars! J'étais petite. Bah, je t'appelle juste avant la teuf, ma Steph. Des bisous. Hey, il est où le maigrichon, là? Hein? Le maigrichon? Bah, t'en connais beaucoup? Je suis là, oui, c'est moi. C'est ton cousin depuis ce matin, il m'appelle le maigrichon. Ah, ça, c'est la première fois qu'on m'appelle le maigrichon de ma vie, quoi. Oh, je vis un rêve de gosse. Oh, hein. C'est bien, mon doudou. Tu vas pouvoir porter ça? Ah, bah, je sais pas, hein. Et maigrichon comme je suis. Tiens, elle va le porter quand même. Hein. Et puis, avec tes petits bras, là, faudra m'aider à peler des patates pour moi faire des petits bâtonnets rectilignes. D'accord, oui. Parce que ce soir, est frite pour la cuisine. Tradition, hein. Ah, mais la famille, c'est toujours comme ça. Ah, oui. Alors, allez. J'y vais? Non, pas faire. Non, pardon. Oula, c'est lourd, hein. Maigrichon comme je suis, hein. Oh, c'est lourd, hein. Oh, c'est très lourd. Ah, t'as pas vu Liliane? Non. Non, parce qu'il y a Adèle, là, qui est en train de fricoter avec un type sur la piste de danse. Faut voir ce que c'est, hein. C'est chaud. Qu'est-ce que je fais? J'interviens. Mais non, écoute, ils sont à break avec Jean-Pierre, elle fait ce qu'elle fait. Hey, enfin, t'as pas vu le mec comme il est gaulé, hein. Faut voir. Quoi? Le vla. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est bien. Oui. Si Adèle fait sa petite affaire avec un type comme ça, elle va avoir du mal à retourner avec Jean-Pierre. Attends, moi si elle arrive à se taper un mec comme ça, moi je suis dégoûtée. Ok, j'interviens. Non.
Moi, j'interviens. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Sûr, José. Ah, Liane, ça part en sucette. Ça part en sucette. Tiens. Merci, Raymond. Oh, je te trouve beau. Je sais pas si c'est la lumière, le bâtiment, le costume ou la médaille, mais je te trouve beau. Enfin, c'est pas moi, quoi. Ah non. Alors moi, je te dis merde. Mais la lumière, le bâtiment, le costume et ma médaille, te remercie, Guéguette. Vous êtes prêts? Oui! Attention, c'est parti! Elle est incroyable cette fête, vous avez mis le paquet. Oh, c'est clair qu'on s'est un petit peu lâché. Ouais. Hein. Et vous, c'est pour quand? L'année prochaine. Ah, et ça va, on n'a pas mis la barre un peu trop haut? Non, non, nous, tu sais, nous, on fait un truc plus intime, hein, une petite chapelle, la famille, quelques amis, puis pas plus. Hein. Oui. Ouais. Et beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Mariage de ringard. Bah, ils ont pas de thune, qu'est-ce que tu veux, hein? Beaucoup d'amour. Et à quelle heure on lâche les 500 colombes? Eh ben, quand on aura rentré les tigres, parce que sinon, ça va être un carnage, hein. Bah, on le fait maintenant, alors. Bah, allez, c'est parti. Chacal. Et Félindra. Minou, minou, minou. Vous leur donnez un coup de tête, peut-être, hein. Minou, 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 minou. Bon, bah, tu te démerdes, le buffet, c'est par là. Et puis t'apprends à manger proprement. Vas-y, je vais déclencher une baston. On est bien, hein. Ça se passe bien. Alors écoutez, je suis désolé, mais je peux pas vous amener à la Tour Eiffel. Oh non. Maintenant qu'on a bien chialé là, question. Dans l'assemblée là, il y a de la chaudasse. Et une barbababa, une. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Une noce, oh, sérieux? Bah quoi? Mais tu vois bien, il devait pleuvoir, il pleut pas, l'infirmerie est vide, y a pas eu une baston, ça sent pas le vomi, ça baisse pas, personne n'essaye de frauder, c'est pas un festival ça! Bon bah si! J'ai vu des mecs boire du panaché, d'où tu bois du panaché dans un festival rock? Vas-y, je vais déclencher une baston! Ah mais c'était quoi ça? C'est moi ça, qu'est-ce ça? Ouais, y a pas de mal, ça peut arriver, désolé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée! Tu as goûté? Alors, je sais pas, je suis une barbandier. Ah, oh, ces émotions, moi, pas ça. Oh, oh, bonjour. Bonjour. Raymond. Enchanté. Ma femme Huguette. Enchanté. Puis-je vous proposer une coupe de champagne? Ah, c'est pas de refus, merci. Oh, c'est la moindre des choses. Ah oui, quand on a été mis à l'honneur pour avoir consacré toute sa vie aux autres, il est naturel qu'on ait des égards pour vous. Hein, Huguette? Oui, c'est la Légion d'honneur. Non, non. C'est pas la Légion d'honneur, ça. C'est un petit bout de tomate séchée. Et regarde, là. Plop, plops. Vous n'avez pas reçu la Légion d'honneur? Ah non, moi, je suis chauffeur de car de la mairie. Ah. Et chauffeur... Bon, ben, tu te démerdes, le buffet, c'est par là. Oui, puis t'apprends à manger proprement. Hein? Oh, le culot. Mais il est beau, quand même, hein? Oh, puis-je vous proposer une coupe de champagne? Merci bien. Mais c'est naturel. Merci. Quand on a consacré toute sa vie, n'est-ce pas, pour les... C'est petit. Hein. C'est petit, mais. Il est t'as chargé. Vu, partout. Oh, et tu te rappelles quand on téléchamboule tout et que je piquais la caisse? Oh, la belle époque. Coucou, bonjour. Ah, bah, cool. Bah, tiens, bah, je te présente Philippe, mon amoureux. Ah, bon. Ah oui, c'est quatre.
Eh ben, je suis ravie, hein, depuis tant que Camille me parle de toi. Ah, je suis sa cousine. Oui, c'est Lucie. Ah, d'accord, Lucie. Alors, tu es qui exactement par rapport à la famille? Parce que moi, je suis un peu perdue. Mais tu sais, je t'en ai parlé. C'est celle qui a eu un herpès génital l'année dernière. Oh là là, bah oui. Je t'avais même envoyé une petite photo pour confirmer le diagnostic. Tu te rappelles? Oui, c'était sympa. C'est Lucie, c'est la fille de Corinne. D'accord, très bien, voilà. Très bien. Bah, enchantée. Ah ouais, brusquement, ça me revient. Ouais. Là. Bon, bah, c'est toujours sympa de mettre un visage sur une photo. Bah, oui. Voilà. Il est mignon. Bon, il faut que je vous laisse parce que j'ai ma compta à faire. Hein. On se voit tout à l'heure. Bisous, ma belle. Sinon, tu me dis juste, c'est Lucie, hein, la fille de Corinne. Tu vois, moi, ça me va. Hein. Enfin, tu vois, je serais quand même un peu moins gêné. Oh, ça va, c'est la famille, on s'en fout. Fais pas ta chouchotte. Bon, putain, c'est Christian. Oh, Christian! Oh, il faut que je te le présente. Christian, viens! Oui, mais pas trop, hein, tu... Tu vas l'adorer. Christian! Ils sont bons. Super. Eh? Oh, la facette. Ah, mon fils. Ma fille, vous pouvez pas imaginer l'émotion authentique que j'ai vécue. Voir la chair de ma chair avec des étoiles plein les yeux. Si, épousant une femme exceptionnelle. Oui, il n'y a pas de plus beau cadeau pour un père. Mon fils, c'est pour moi l'occasion de te dire, franchement, je suis fier de toi. Merci, papa. Viens là, fiston. Oh là là, c'est beaucoup. Trop beau. Bon, maintenant qu'on a bien chialé, là, question. Dans l'assemblée, là, il y a de la chaudasse. Non, papa, sérieux, tu peux pas t'en empêcher. Excuse-moi d'être heureux, fiston. En numéro 1, t'as Viviane, la robe à fleurs. Elle, c'est chaudasse de chez les hauts fourneaux chaudasse. Ok. Sinon, t'as Carole, là, le chapeau. Elle, elle a rien vu depuis 2 ans. Bien, bien. Après, robe à carreaux, là, tu peux y aller, mais direct. Cool. C'est facile. Et puis, sinon, il y a ma mère. Non, mais Marion, et où? Attends, ta mère, ça serait rigolo-golo. Non, papa, ce serait pas rigolo-golo. Pas du tout. Ouais. Après, il y a Jacques. Ouais. Ok. Allez. Jacques, Alain, vous connaissez le papa de Cédric? Voilà, Jacques. Et juste derrière, c'est Alain. On est bien, hein? Ça se passe bien. Ah, merci. Tiens. Dis-moi, Liliane. Hein? 30 ans de mariage. Du coup, t'as pas 45 ans? Bah si. Donc tu t'es marié à 15 ans, c'est ça? Bah non. Bah donc c'est pas possible. Bon, écoute Sylvain, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu yoyotes ou quoi? Hein? Et puis, mangeons sur le champagne, hein? Non mais c'est vrai. Oui, bon, ça va. Ma Lily! Ah, ils sont graves. Merci. À quoi tu penses? Je me demande si sur ma lancée, je vais pas postuler à l'Académie française, moi. Quoi? Ben oui. Ouais, parce que cette médaille, c'est très joli, mais enfin... T'as vu le costard qu'il leur file aux académiciens? Avec une épée sur le côté, ça a une autre allure, quand même. Ah, je sais bien, mais enfin, pour ça, il faut avoir écrit des livres. On m'a filé la médaille du mérite sans rien foutre. Je peux bien devenir académicien sans écrire un bouquin, quand même. Ouais. Faut voir. Ou alors, le prix Nobel de la paix. C'est pas mal, ça. Hein? Raymond, prix Nobel. Bon, les gars, on a un gros souci. Plusieurs personnes m'ont signalé la présence d'un imposteur dans l'enceinte du festival. C'est un type qui se fait passer pour quelqu'un du staff. Un mec chelou qui donne des ordres à la con, genre préchi précha, prise de tête, je pique tout le monde. Non. Un autre. Donc je compte sur vous, vigilance maximum. Allez, go! Attention les boys, reparti! Ça va pas, mon doudou? Si, ça va, mon amour. Non, mais c'était pas bien les auto-tamponneuses, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu t'es fait chier. Mais pas du tout, moi j'adore les auto-tamponneuses. Ah, mais si j'ai bien vu, t'as évité tout le monde. Mais tu rigoles ou quoi? Je me suis éclaté comme un fou. Après, moi je comprends si t'aimes pas mon univers. Mais... Enfin, Camille, je t'aime, j'aime ton univers, enfin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je tamponne ton père? Oh,
Tu ferais ça pour moi? Mais oui, mon amour. Oh. Bien sûr, je vais tamponner ton père. Ah, oui. Hein, et tes cousins aussi. Oui. Allez, viens, tamponnons. Oh, tamponnons. Tamponnons. Oh, tamponnons. Tamponnons. Alors, venez voir, ça c'est rigolo. C'est une station de vélo libre-service. Il y a des stations un peu partout dans Paris. Là, c'est au service des piétons, hein, ils en trouvent pratiquement partout là où ils se trouvent. Hein. Ah, d'accord. Mais alors, ils sont à qui, tous ces vélos? Ben, à tout le monde. Ils se les échangent entre eux. Quand ils ont fini, ils déposent à la station et puis c'est l'autre qui en prend. Et il est d'accord? Qui? Ben, le mec qui a posé son vélo, là, il est d'accord pour que le suivant le prenne? Mais bien sûr, puisque c'est pas le sien. Mais alors, si c'est pas le sien, pourquoi il l'a pris si c'est pas le sien? Parce que c'est à tout le monde. Oui, non, mais le proprio de tous ces vélos, il dit rien. Ouais. Mais c'est la ville, le proprio. C'est ça le principe d'une station-service de vélos. Oui, bon, là-bas, là, tiens, c'est un bistrot, ça? Oui. Ouais, on rentre, on boit un coup, on paye et puis on se casse, c'est ça? Voilà, c'est alors, ça. Bon, bah, alors, on y va. Bah, on y va, allez, tiens, viens, ça, viens ça, on comprend, ça. Je me demande s'ils sont pas un peu cons. Hein. Elle, c'est la meuf de mon cousin Bart. Attends, elle se la pète, non? Ah bah ouais, elle se la pète, hein. Plus que moi. Ah bah grave, là, poussin. Hé, hey, toi, viens voir. Je rêve que tu te la pètes. Évidemment, chérie, que je me la pète. Mais toi, tu te la pètes pas, peut-être? Oui, mais moi, c'est mon mariage, hein. T'arrêtes de te la péter plus que moi, d'accord? Mm-hmm. Et t'arrives pas à te la péter plus que ça à ton mariage, ça craint un peu, chérie. Tu feras attention, t'as des rouges à lèvres sur la dent. James, j'arrive. James, comment elle a fait? James, je vais pas le faire. James, ah, on va tous sur la robe. James. Non, là, on a posé plein de questions sur nous et moi, je me suis un petit peu emballée. Donc, je te donne les infos officielles. Comme ça, on risque pas de se contredire. D'accord. Hein? Ok, vas-y. Donc. On a acheté un pied-à-terre à Rome, on s'est mis à la bossa nova, je fais de la céramique, et... ah oui, si, oui. Et tu fais de l'ULM. De l'ULM? Bah, oui. Bon, d'accord. Alors, attends, donc, Rome, bossa nova... Et toi, t'as dit quoi, toi? Bah, rien, qu'on était heureux, quoi. Ah oui. Oui, j'aurais pu dire ça aussi. Mais... Et de... La céramique. La céramique, oui, la céramique aussi. Rome, bossa nova, on est heureux, céramique. Voilà. Au revoir. Au revoir. À demain. Ouais, à demain. Tiens, François. Hey, ça s'est bien passé pour une première journée d'un premier festival. Grave. On a bien mérité un peu de repos. Hein. On se reposera quand on aura monté la tente. La tente? Pour dormir. On va pas dormir à la Belle Étoile, si? Emma, on habite à 500 mètres. On a une chambre, un lit, des draps, on va pas... Eh les gars, il y a Fabien qui veut rentrer chez lui entre les deux jours de festival. Oh là là. Bonjour. Non, mais comme on habite pas très loin, nous, bon... Laisse tomber, monte la tente. Non mais c'est son premier festival aussi. Bien, hey. Non mais chaton, j'ai pas ma brosse à dents. Hein. Attends, attends. Alors écoutez, je suis désolé, mais je peux pas vous amener à la Tour Eiffel. Oh non. Non, mais c'est très très simple. Regardez, là vous prenez le métro. Hein. Ouais. Direction l'étoile. À l'étoile, vous changez, la ligne 6, direction Nation, et hop, la Tour Eiffel. Ah, je suis désolé, mais quoi? Il y a plus simple, regarde. On change à Châtelet-Léal. Ah non, 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 surtout pas Châtelet-Léal, surtout pas. Parce que c'est un changement infernal. C'est un labyrinthe. Il y a des escalators dans tous les sens, des couloirs dans tous les sens. Il y a trois lignes normales et puis quatre lignes de RER. Oh là. C'est un enfer. Non, non, non. Il paraît qu'on a retrouvé des gens qui avaient changé à Châtelet-Léal
trois jours après, ils étaient quasi morts de faim. Oh putain. Non, on va faire comme il dit, alors. Alors, dernier conseil. Oui. Dans les couloirs du métro, oui. Vous prenez la main, vous baissez les yeux, vous regardez personne, vous parlez à personne, vous marchez l'un derrière l'autre. Vous avez un téléphone ? Oui. Vous avez de l'eau ? Oui, alors non. Bon, formidable. Allez, je vous retrouve à 18h30. Ouais. Hein ? Merci, Bernard. Bonne chance. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Bernard. Il est gentil. Bon. On va faire comme il a dit. Oui. Ouais. Ça te dit toujours, toi, la Tour Eiffel ? Bouf. Moi, pareil, hein. Tu sais quoi ? Dis-moi. On va s'installer dans un bistrot. On achète une carte postale de la Tour Eiffel, on la colle sur le frigo et basta. Mais oui. Tiens, regarde là. Oh, aïe, hop. Il a l'air sympa celui-là. La Tour Eiffel. Hein. Il a pas l'air trop cher. Ouh, tu m'as fait une barbe à papa géante, la Michel. Hein. Et une barbe à papa, une. Merci. Alors, j'ai versé le sucre dans cette machine qu'il a transformé en filament. Filament que j'ai récupéré en faisant du mouvement circulaire avec ce bâtonnet auquel j'ai imprimé de surcroît un mouvement de rotation sur lui-même. Ah bah oui, bah c'est un vrai métier. Eh bah oui. Mais est-ce que vous savez pourquoi le sucre se transforme en filament ? Moi j'imagine que c'est parce qu'il est chauffé et que c'est la force centrifuge qui le transforme. Hein ? Aucune idée. Personne n'a jamais su m'expliquer. C'est pas grave, et on regardera sur Internet. Hein ? Sur quoi ? Oui, non, laisse tomber. Il est un petit peu. Voilà. On te doit combien, Michel ? 700 francs, comme d'habitude. Eh ben d'accord, on te paiera plus tard. Hein ? Oui, enfin, avant l'an 2000. Eh ben oui, évidemment. Allez, viens, on va se faire une chasse au canard. Hein, une pêche, un truc. Enfin, voilà. Pour moi, votre amour est tellement beau, tellement fort, qu'il inspire et il réchauffe chacun d'entre nous. Merci les puissants. Merci, 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 merci beaucoup, Lisa. Eh bien, merci à tous d'avoir exprimé aussi chaleureusement ce que représentait notre amour pour vous. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a passé 2h30 extraordinaires. Et voilà, avec Cédric, on s'est concerté et on a décidé que c'était... Morgane, la gagnante. Bravo Morgane, voilà, c'est vrai que c'est toi qui as su le mieux parler de nous, de notre amour. Et pour ça, merci. Bravo d'avoir participé et tu as gagné un panier garni. Bravo Morgane. Fabien, tu peux me dire pourquoi il y a plus de monde dans la file d'attente que dans l'enceinte du festival ? Parce que ça prend un peu plus de temps que prévu, les tampons. On est obligé de faire gaffe, sinon ça bave et c'est pas joli après. C'est quoi, je vais prendre le relais. Va au sandwich. Non, pas au sandwich. Va... va là-bas. Prendre la deuxième à droite, la troisième mais à gauche. Mais ma pauvre fille, c'est par là qu'il faut aller. Non, mais tu vas pas m'apprendre à lire un plan. Moi, quand même, monsieur, je sais tout. Écoute, tu as aucun sens de l'orientation. Tu te perdrais en bas de chez toi et tu vas quand même pas m'expliquer. Huguette, quoi ? On est en train de s'engueuler à Paris, ma poule. Oh, oh comme c'est romantique. Tu te rends compte ? Oh, c'est génial. Non, sérieusement, la cérémonie religieuse était juste parfaite, le château est magnifique. Bon, c'est juste dommage que le temps soit bas de la partie. Mais c'est pas grave, hein, comme on dit, mariage plus vieux, mariage heureux. Hein. Aïe. Ah non, il dégage, là. Quoi ? Eh, il dégage, on veut plus le voir. Non, mais pourquoi hein ? Parce qu'on veut pas de ringard, notre mariage. T'as dit mariage plus vieux, mariage heureux, c'est la louche de dire ça. Bah attendez, au moment temps, moi. Non, il prend pas ses affaires, il dégage tout de suite. Bien fait de prendre ce service anti-ringard. Je m'étonne. Hey, y a un mec qui danse avec une cravate sur la tête. Ah non, il dégage aussi. Oh, écoute.
30, je m'en fous qu'on reste 10, on restera classe jusqu'au bout. Bah, je veux mon neveu. Pardon Poussin, je sais pas ce qui m'a pris, ça s'est sorti tout seul. Mais c'est moi. Non, non mais Poussin, c'est moi, c'est mon mariage. Encore une comme ça et tu gicles, hein. Ouais. Non. On est classe, tout ça. Oui, on est classe. On est classe. On est classe. On est classe. Et c'est quand même fou. Ça fait 10 ans qu'on connaît Liliane et on s'est jamais rencontrés. Ouais, c'est fou. Bah ouais. Pardon. Je suis inquiet, hein. J'ai l'impression que la soirée prend pas. Mais si, regardez, ça danse. Oui, mais alors pourquoi quand je lance des chenilles, ça prend pas? Au premier virage, je me retrouve tout seul avec Jean-Pierre. Je suis désolé, mais une chenille à deux, c'est pas une chenille. Eh ben, c'est peut-être parce que c'est pas une soirée à chenilles. Eh ben voilà, c'est ce que je disais, la soirée prend pas. Pas mon Pierrot, je t'ai affecté ici. Ta zone couvre de la buvette à la scène principale. Et tiens, quelques tickets boissons en rab. Mais je fais quoi? Eh ben, tu... Hein? Tu surveilles la zone. Ah, oh, c'est parti alors. Allez mon Pierrot, faut se lancer. Allez, on y va. Allez, allez, c'est parti. Et toi, Juliette, tu surveilles Pierrot. Oui. Tu fais gaffe, il y a de la boue, il peut s'enliser facilement. Et à la buvette, pas trop de sucré, il fait du diabète. Hein. Ok, pas de sucre, ça marche. Ouais. C'est bon. T'es sûr de Pierrot? Attends... T'as vu comme il est tout chaud? Je pouvais pas lui refuser le poste. Regarde-le comme il est content, là. Non, je vais quand même doubler le truc. Mathieu, viens là. Nouvelle mission. Tu vas surveiller Juliette, qui surveille Pierrot. Allez, allez, les gars, allez. Hey. Pas du tout schizophrène, ça n'a rien à voir. J'ai eu des petits soucis, c'est vrai, mais j'ai consulté et maintenant, tout va bien. Mais et ça se voit, Nicole? Vous rayonnez. Oh, flatteur! Non! Je vais me servir un petit verre. D'accord. Alors, tu papotes avec ma maman? Bah ouais, c'était très très sympa, ouais. Mais pourquoi tu m'as dit qu'elle était schizo? Pas parce qu'elle est schizo? Bah, elle vient de me dire que non. Ah oui, non mais ça c'est parce que t'as parlé à Suzanne. Suzanne c'est la seule de ses personnalités multiples qui n'est pas schizo. Par contre excuse-moi, je vais aller checker parce que Suzanne elle tient pas très très bien l'alcool quoi. Et maman, Suzanne. T'arrêtes. Les Parisiens, ils klaxonnent tout le temps. Et puis ici, personne te connaît. Bon alors, tu bouges, connasse. Ah ben si, lui, il te connaît. Hey, excuse-moi, je peux te parler deux secondes? Mais vas-y, essaie. Voilà, depuis tout à l'heure, je te regarde et en fait, je t'admire, quoi. J'ai jamais vu une meuf qui se la pétait autant. Enfin, à ce niveau-là, c'est de l'art contemporain, tu vois. T'es sérieuse? Oh, je te jure. Tu penses vraiment? Mais vraiment. Ah, c'est génial. Et toi, ton mariage, c'est le mariage le plus tape à l'œil que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. C'est vrai? Et je te jure, je m'y connais. Je passe mes étés à Saint-Tropez. Non. Oh. Alors, les filles, fini les guéguerres? Ah oh, ouais. C'est ma nouvelle sœur cosmique, j'adore. Non, mais elle se la pète tellement trop, mais elle est géniale. Oh. Et hey, tu sais quoi? À mon prochain mariage, ce sera toi ma témoin. Mortel. Et tu sais quoi? Avec un mari comme moi, il n'y aura pas de prochain mariage. Oh là là. Qu'est-ce qui se la pète, lui aussi? Hein? Viens, on va se la péter au milieu des gens. Vas-y. Ah oh, ouais. Tant mieux, José. Ça tangue toujours. T'inquiète, j'ai trouvé la parade. Oh, t'as repris un caché? Non, tut. À fond. Quoi? Tangage péniche, plus tangage alcool, ça s'annule. Oh, à son bébé. J'aurais tendance à
tendance à dire que ça s'additionne. Liliane ! Oh, elle, c'est pareil. Oh là là ! Attends, je vais chercher ma coupe. Ça va, vous ? Oui, ça va. Et vous êtes toujours sorti avec des filles plus jeunes, vous ? Non, c'est la première fois avec Camille. Et alors, ça vous manque pas, la maturité, l'expérience ? Non ? Mais, je sais, Nicole, qu'est-ce que... Vous seriez pas en train de me draguer, là, non ? Tout de suite, les grands mots. Bah oui, mais enfin, c'est pas très bien, parce que imaginez que moi, je le dise à votre fille. Ah non, mais vous pouvez lui dire, parce que avec mon histoire de schizophrénie, c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi. Vous le savez, vous ? Hein ? J'espère que c'est pas vous, parce que... Eh ben alors, on va dire que c'est pas moi. Oui. Voilà. Voilà, oui. Ah, ça va, vous ? Oui. Qui ça, nous ? Eh ben, vous, quoi. Oui, non, mais c'est parce que nous, c'est pas forcément nous. Je vais là-bas. Elle serait pas un peu schizo, lui aussi. On voit ça. C'est quoi ça? J'oublie. Ça va? Ouais, super. J'en étais sûr. Pourquoi tu m'as laissé passer là? Parce que c'est vous. Ouais, mais j'ai pas mon badge, mon pote, hein. T'es l'organisateur, il t'a reconnu. Ouais, mais je pourrais être quelqu'un qui me ressemble. Et puis y a pas à réfléchir, la consigne, c'est pas de badge, on passe pas. Ça rentre dans ta tête, ça ? Oui, bah j'ai compris, pardon. Ah, mais c'est bon, c'est pas grave. T'inquiète. Et il me relaisse passer, hein ? Non, mais c'est pas vrai, ça ! Non, mais t'as vu ce qu'il a fait ? Non, mais tu comprends rien, toi, hein ? Bon, on va reprendre les fondamentaux. Qu'est-ce que tu comprends pas dans badge ou pas badge ? Hein, non, parce que ça me paraît pas déconnant comme concept. T'as les yeux, t'as un cerveau. T'as branché le câble qui va avec, là ? Hein ? Excusez-moi, messieurs, dames, l'avenue du général Leclerc, s'il vous plaît. L'avenue du général. Oh, c'est très simple. Vous allez jusqu'à la supérette. Une fois arrivé à la supérette, première à droite. Vous faites à peu près 100 mètres, vous passez la poste et le magasin de bricolage, et vous tombez sur l'église. Et là, c'est tout de suite à gauche, vous tombez dedans. Voilà. D'accord, donc supérette, première à droite, oui. 100 mètres, et à gauche quand j'arrive à l'église. À l'église, voilà. Super, merci, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Vraiment, il demandait l'avenue Général Leclerc à Paris, pas chez nous. Tu crois ? Bah enfin. Oh merde. Remarque qu'en même temps, s'il vient chez nous, il saura où c'est. Allez, avance, c'est bon, je prends un petit peu. Il n'y en avait pas d'autres. Hein. Ah bah il est balèze, les maigrichons, hein. Tu sais jouer la cucaracha? La quoi? La cucaracha? Ah, la cucaracha. Ah, elle est pas amenée dans sa axe, hein. La cucaracha, 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 la cucaracha. Enfin, qu'est-ce que t'as foutu ? Ah, j'ai cru qu'elle se noyait, moi, c'est pour ça que j'ai écouté que mon courage, j'ai sauté. Ouais, bah moi je veux bien, mais enfin, une loutre, ça c'est nager quand bah, même. Oui, je sais. Mais je crois que c'était Marie-Catherine qui se noyait, moi. Oh, José, je suis absolument complètement confuse. Mais c'est pas grave, Marie-Catherine. Vous allez bien, José va bien, la loutre va bien. Allez, retournez danser. Moi, je m'occupe de José. En tout cas, c'était vraiment formidable, hein, votre temps de mariage. Merci beaucoup. Et bonne fin de soirée, hein. Franchement, c'est un chapeau pour faire la péniche, ça. Hein.
C'est à qui? Alors bouge ta caisse! Bouge ta caisse! Bouge ta caisse! J'ai la bouger, j'ai la chance. Il bouge sa caisse! Il bouge sa caisse! Il bouge sa caisse! Gaguette, s'il te plaît, peux-tu me boutonner ce bouton? J'y arrive pas. Je sais pas. Doucement, là, là, mais tu m'étrangles, là! Attends, mais bouge pas! Aïe! Mais j'y arrive pas, là. T'es tout bombé. Depuis que t'as ta médaille, là, t'as pris du torse. Ouais, bah, essaye quand même. Ah non, laisse tomber. Mais la prochaine fois, tu prends du M, s'il te plaît. C'est ça. Alors, ça te fait quoi d'être mariée? Je sais pas. J'adore. Mais il y a des gens qui chopent là. Tu crois que c'est qui? On s'en fout, allez, viens. Non, attends, je veux savoir qui pécho à mon mariage. Arrête. C'est qui? Non, non, l'écoutez pas, on y va, continuez, hein. Non, laissez tomber, c'est grillé. Ah non, attends, il n'y a pas moyen, je veux savoir qui c'est. Écoute. C'est qui? Allez, c'est qui? Vous la connaissez, elle lâchera pas. C'est qui? Vincent, Elisa, bande de petits coquins, va. Attends, ouais. C'est nul, ils sont déjà ensemble. Hmm? Oh, d'accord, vous venez à un mariage pour pécho votre conjoint, quoi. Attends, ta cravate. Oh. Allez, vous avez fait ça à toi. Non, mais moi j'ai rien fait, moi. Hein? Si. Oh. Oh. Si, on a fait, ouais. Ok, restez, je retire. Oh. Oh, je vais être malade. Oh, mais viens, viens. Vas-y, Emma, c'est à toi. Je peux pas. Quoi? Tu les entends? Il a tout déchiré. Il joue comme un dieu, il chante, c'est sublime. C'est son cinquième rappel. Moi, passer derrière, je vais me faire défoncer. Je peux pas. Vas-y, je me casse. Bonsoir tout le monde. C'est Boum. Moi, c'est Fabien et je fais de la pro. Là, je vais vous faire la cabine téléphonique. À la lumière, s'il te plaît. Oh, une arbalète,
tête est dingue. Tu t'y attendais pas, hein. Ah non, non, bah attends, tu penses. Elle est belle, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et tu t'y attendais vraiment pas. Ah non, non, mais pas du tout. Ouf, ça va aller. C'est vrai que c'est une sacrée surprise. Bah, c'est le but, hein. Dans notre famille, c'est toujours la surprise. Surprise. La surprise. Mais pour le cadeau, en fait. Ah, les cadeaux, on s'en fout. Nous, c'est la surprise. Pour mes 20 ans, ils m'ont offert des cages de handball. Ah oui, oh, c'est super, bravo, super. Tiens. Alors, moi, c'est mon cadeau. Oh, une bague, c'est trop mignon. Bah oui, oui. Mais enfin, c'est une bague, quoi. Attends, mais elle est magnifique, mon doudou, t'es fou. Oui, oh, c'est pas... Non, mais c'est bien aussi, une bague. Allez, c'est pas grave. La cucaracha, quand je repense au discours du prêtre, oh là là, c'était tellement beau. Sauf le moment où il a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est un petit peu glauque quand il repense, non? Oh non, mais t'inquiète, ça n'arrive jamais. Comment ça? Bah, dans la plupart des cas, c'est jusqu'à ce que le fric nous sépare. Jusqu'à ce que nos trois gosses insupportables nous séparent. Jusqu'à ce qu'une petite pouffe nous sépare. Mais la mort, c'est le dernier truc quand tout le reste a foiré, quoi. Bien dormi. Oh là là, pardon, excuse-moi. Bien dormi. Vous avez dû vous régaler à Paris. Ouais, on profite. Paris, c'est une ville comme une autre, déjà. Ah ouais, non, le problème à Paris, c'est tous ces touristes. Ça. C'est... Paris, c'est surtout un piège à con, voilà. Je confirme. Ouais. Mais ce qui me fout en rogne, c'est qu'on paye pas à sa juste valeur le travail du paysan. Parce que pendant que les patrons se font des marges colossales, faut savoir que les petits producteurs, ils en chient. C'est des mecs qui se lèvent à 5h du mat. Emma ! Quoi ? Tu parles trop entre les chansons, les gens se barrent. Bon ? Ben ouais, ça fait un quart d'heure, là. Excusez-moi. Tout ça pour dire que la prochaine chanson s'intitule « Ma terre saigne » et que je la dédicace à tous les agriculteurs. Ouais ! Qui s'organisent pour faire des produits de bonne qualité, malgré une concurrence déloyale. Enchaîne, des conditions chanson, de... guitare, là.
sérieux? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On a loué le pavillon de chasse. Hein? Ah, la petite bicoque au fond du jardin. Bah, je croyais que c'était la maison des domestiques. Bon, ouais, et alors? Eh ben, vous faites trop de bruit! On n'entend que vous! Alors Jean-Luc, eh ben, du coup, ça y est, tout coupé! Il rame, et puis moi, bah. Eh ben, moi, je suis désespérée, parce que cette bicoque, il me faut que tu te rends pour moi, parce que c'est. Oh, bah, poussin. Bah, quoi? Quoi? Il fait quelque chose. Bon, la première fois, c'était en 99. Mais c'est vrai que là, Minou, il était pas au top, c'était la première fois. On sait ce que c'est une première fois. Bon, hein, on sait ce que c'est que la première fois. Bon, là, c'est vrai que Minou, il n'y arrivait pas. Du coup, on a recommencé en 2005. C'était mon anniversaire. Alors là, je peux te dire que j'y suis allé. J'ai mis le paquet. Tu nous aurais vu, on a picolé. Bon, il était un peu lourd. Bon, du coup, c'est vrai qu'on a pris une raclette, fromage, pommes de terre, cornichons. Ça l'a plombé. Là, le Minou, ça l'a plombé. Il n'y a pas réussi. Bon, c'est pas grave. On a réessayé en 2015. Mais je sais pourquoi. Je crois que la famille est venue. Du coup, bon, ça va marcher non plus. Donc voilà. J'ai tout misé sur la mine noce. Là, je me suis dit, faut mettre le paquet. Allez, Jean-Luc, on y va. On y va, Jean-Luc. Tu comprends? Ben oui, ma patine. Donc, bon. Poussin. Ben, va voir Jean-Luc, écoute. Quoi? Ben, tu vois bien qu'elle souffre. Mais ça va pas, non? Si, deux, trois conseils, deux, trois petits trucs. Vous avez des petits trucs? Allez, oh, Poussin, écoute. Ah, c'est gentil. Bah oui, mais c'est gentil de faire ça. Oui, il est gentil. Mais tu sais que c'est quelqu'un de bien. Moi, j'ai trouvé. Gentil. Ah ouais. Tu vas lui montrer des petites techniques. Oui, il va lui montrer la technique de. Je la connais, cette petite technique. Hey, t'es prêt? Parce que je te préviens, ça fait vraiment flipper. Hein. Oh, arrête, je connais les trains fantômes, c'est pas non plus. Ah, mais dans celui-là, mon doudou, il y a un vrai fantôme. Bah oui, oui. Bah oui, arrête, il y a un vrai fantôme. Ouais. C'est celui de mon tonton GG. Oh, figure-toi qu'il s'est fait arracher le bras. Il s'est vidé tout son sang en montant le manège. Quoi? Ah non, mais je te jure. Hein. Mais. Attends, t'imagines, il a agonisé un jour entier. Personne savait où il était. Alors pour moi, ça va parce qu'il me connaît, mais toi, oulala, c'est ta première fois, à mon avis, il va te chauffer. Hein. Mais je suis chauffé comment? Ça veut dire quoi, chauffer, là? Ah, ça, je sais pas. Hein? Non, mais ça, c'est la surprise. Hein. Hein? En tout cas, juste un conseil, à mon avis, t'attaches tes cheveux puis tu mets tes mains dans tes poches, hein, c'est plus prudent. Oh putain, c'est parti! Il y a Philippe qui me dit qu'il y a une vidéo d'une de tes chansons sur le net. Super marrant la blague. T'as vraiment que ça à foutre le mec. Bah attends, c'est peut-être vrai, hein. Oh putain, j'y suis. Il y a un mec qui a filmé ma prestation au festival. Le mec vient au festival, filme ton concert et te fout sur internet. T'as que ça à foutre le gars. Putain. J'ai 450 000 vues. Il y a 450 000 personnes qui ont vu ta vidéo. Putain, donc ça fout les mecs. Enfin, mais tu te rends pas compte, c'est comme la ville de Lyon. De toute façon, les Lyonnais, donc ça va foutre. Hein. Quoi? J'attends. T'attends quoi? Oh putain! 450 000 vues! 450 000 vues! Mais t'es une putain de star! Mais c'est génial ça! Mais c'est. Putain! Mais comme quoi avec de la. Ton. Enfin. Ton groupe là? Oui! C'est. Waouh! Oh! Waouh! Waouh! Et encore, tu l'as pas vu dans son bel uniforme! Tiens, rien! Oh. Oh! Alors là, papa. T'as vraiment fière allure dans ton uniforme. Oh. Je suis tellement fière de toi qui t'es décorée. Puis vraiment, l'élégance, la classe, la force, un vrai soldat. Hein. Et puis tu sais, pour une fille, voir son père honoré comme ça par la République, la France. Oh, mais c'est. Non. Moi, je me dis. C'est mon papa, quoi. C'est. C'est mon papa. Oh. Ça me...
Non, mais t'as raison, c'est vraiment une vraie lopette. Hein, depuis qu'on lui a refilé sa breloque, là. Non, franchement. Et encore, hier, il s'est mis à chialer. Parce que la machine à laver a lâché. Une machine qu'on avait depuis 15 ans. Tiens, c'est mort ta médaille. Oh. Alors, où est-ce que je vais l'accrocher, moi? C'était une belle fête, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as volé sur la péniche? Bah attends, et nos 30 ans de mariage, moi j'ai voulu garder un souvenir. Ah, bah oui, c'est une très bonne idée comme souvenir, une bouée de sauvetage. Au niveau symbole, c'est formidable. Mais quel con. Bon, on va au garage. Ah merde, je voulais ça plus grand. Attends, c'est plus petit que la salle de bain de notre chambre au château. Bon bah je te pose, hein. Oh non, 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 on y retourne, non, non, je peux pas, c'est trop brutal. Oh. Non, tu sais quoi, on repassera prendre des affaires dans la semaine pour se réhabituer petit à petit, et puis quand on sera prêt, on reviendra. Ok. Hein? Allez, on y retourne. Coucou. Hi. Hi. Dis donc, t'aurais pas signé un autographe au village, toi? Comment tu sais? Bah, ça se voit. À ta façon de marcher, ça se voit. Hein. Tu te la pètes un peu. N'importe quoi, mon pauvre ami. Ah non, mais je comprends, hein. Quand on a fait une chanson qui a dépassé les 300 000 vues... Enfin, c'est insensé pour la dernière fois, je ne la pète pas. D'accord, d'accord. Sinon, t'as acheté le pain? Ah, merde. Non, mais là, je vais y aller. Non, écoute, je préfère tourner que d'écouter tes conneries, là. Bye. Bye. Ah, je suis content. Aïe, 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 aïe. Ah, il y en a un qui est content de rentrer, hein? Non, pas plus que ça. Oh, ouais, ça va, tu peux le dire, c'est pas grave, hein? Non, j'étais content de passer ces quelques jours avec ta famille, c'était bien. Oh, les impôts! Oh, je suis content. Bonjour, les impôts. Bonjour, bonjour. Oh là là, oh bah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans les escaliers, puis il y a un dégât des eaux dans la salle de bain. Oh, mais je suis content. Oh, je suis content. Regarde comme c'est beau. On va appeler les assureurs. C'est bien, je suis content. Oh, mon amour, je suis content. Je suis content. Regarde comme c'est beau. Oh. Ceci dit, 30 ans de mariage... 30 ans de mariage. Ben maintenant, on peut dire qu'on est trentenaire. Sans mentir. Mmh. Et jeune trentenaire, en plus. Mmh. 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 Oui. Oh là 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 là. Le mariage de ouf. C'est clair qu'on a frappé fort. Oh, tu m'étonnes. Et tu sais que tout le monde m'a dit que c'était le mariage du siècle. Attends. Au 20e siècle, il y a eu le mariage de Lady Di et de Prince Charles. Et au 21e, celui de Marion et Cédric. Ah, oui, oh, oui. Grave. Mais du coup, pour le divorce, faut pas que ça retombe. Hein. Oui. Parce que les gens, ils vont pas se contenter d'un petit consentement mutuel dans le bureau du juge. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr, on a généré de l'attente. Ouais. Mmh. Non, non, il faut que ça finisse en fait divers. Arme blanche. Minimum. Mmh. Petite arme blanche, toi, hein? Oh. Petite arme blanche. Petit couteau suisse. Oui. À vous, ma fille, que ça pose quand même un bonhomme, non?
Tu vas nous seriner encore longtemps avec ta breloque, là. Faut lui la paix. Un peu de respect, s'il te plaît. C'est facile de se moquer. C'est facile, mais n'importe qui ne peut pas avoir cette médaille. Non, il faut la mériter. Cite-moi un médaillé autour de nous, un seul. Camembert, Binard. Mais t'es pas tout seul, papa. Hein? Entre médaillés, là. Camembert, Pinard et vieux Couton. C'est ça, la France qui gagne. Coucou, chérie. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Je vais avoir 50 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Dans 20 ans. Non, mais tu crois pas que tu dramatises un petit peu, là? Déjà, t'as un petit peu de marge, tu vois. Comme tu dis, c'est dans 20 ans. Puis regarde, 50 ans, c'est cool. Regarde-moi. Hein? Ma Lily. Dis-moi, c'est pas censé être au point mort, la libido, après 30 ans de mariage? Mais si. Ah, parce que là, plus on avance en âge, plus on fait l'amour, c'est fou. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on sera plus vieux. T'imagines quand on sera à la retraite? On sera là à la maison à traîner tout le temps qu'on aura. On pensera qu'à ça. Oh merde. On va faire un infarctus. Bah oui. Bon, tous les ans, il faudra qu'on fasse un check-up. Enfin, tous les 6 mois. Ouais. Oh zut. Ah, bah oui, t'as envie toi aussi. Bah. Ah oui. Bon, bah. Allons-y. Ah, la jeunesse. Ah, pardon, c'est ta main. Quoi? Avec l'alliance, je t'ai pas connue. Oh. Oh putain, la trouille. Ah, mais. T'es pas poussant, tu vas t'habituer. Ah, ah non, c'est à moi. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai ce matin? Oh. Oui, oui, on peut prendre rendez-vous, ouais. Enfin, je vous préviens, moi, je me déplace pas jusqu'à Paris, hein. Oui, bah, venez, vous, si vous voulez, ouais. Mardi prochain. Ok. Ok. Merci, monsieur. Au revoir. C'est qui? Ah bah encore un producteur qui a vu la vidéo de ma chanson au festival et qui veut me faire faire un album. Mais dans quel monde on vit? Les clics, les clics, les clics. Il y en a que pour les clics. Tout ça parce qu'il y a 300 000 gogos qui ont vaguement regardé ma vidéo. Alors ça y est, on s'intéresse à moi. On veut faire de moi une star. On veut me faire voyager. Mais dans quel monde on vit? Mais dans quel monde on vit? Mais dans quel monde on vit? Ah je le kiffe tellement. Je me disais aussi. T'es remis à ton bouquin? Non, j'ai abandonné. C'était nul comme idée, puis il n'y avait pas d'ambition. Ah bon? Ouais. Mais alors du coup, t'écris quoi? Une série télé. Une série télé? Ouais. Et ça va parler de quoi? De nous. Pas de nous. De la vie de couple, quoi. De nos engueulades, des bons moments, des mauvais. Mais attention, il n'y aura pas que nous, hein. Il y aura d'autres couples de tous les âges, parce qu'il faut balayer large, que chacun s'y reconnaisse, tu comprends? Et ça sera traité par petits sketchs de très courts, tu vois, avec de l'humour. C'est très important, l'humour. Et alors, comme titre, j'ai imaginé un truc béton, alors. C'est du lourd. Scène de ménage. Scène de ménage? Qu'est-ce que t'en penses, franchement? Je sais pas, j'en pense que,
J'en pense que c'est nul. Enfin, c'est pourri comme idée. Enfin, c'est pas une série, ça, scène de ménage. Ça va intéresser qui, franchement? Oh non, non. Oh non, tu ferais mieux de te remettre à ton bouquin. Ça, c'est quand même plus prometteur, excuse-moi. Scène de ménage. Quelle idée à la con. Oh non, et tiens, dans le générique, t'as qu'à mettre aussi de la vaisselle qui vole pendant que tu y es. Bah, j'ai pas dit ça. Scène de ménage. Bon, ben. Merde. Que. Oh, je t'aime mal parce que là, t'es un peu comme une sœur. C'est vrai. On se confie un peu comme un. Comme des sœurs. On l'a dit en même temps. Oh, on est des sœurs alors. Après une carrière exemplaire au service de la nation, il décide de consacrer sa recette. C'est là, tu peux la garder. T'as des yeux, hein, t'as un cerveau. T'as branché le câble entre les deux? C'est un peu trop, ça, non? C'est coupé! Oh, yeah! Oh là, pardon, j'ai... accepté une affiche. Après le champagne, retrouvez-les avec un bon vin chaud en haut des pistes. Scène de ménage enfin à la montagne, c'est tout de suite.